3. Adoption d'un relevé des décisions de conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Examen et adoption de textes. La communication du Premier ministre a porté sur 6 points principaux, à savoir 1. De l'adresse du président de la République sur l'état de la nation. Le Premier ministre a adressé en son nom et au nom de tout son gouvernement des vives félicitations au président de la République, chef de l'État, pour les avancées accomplies à mi-parcours sous son leadership, tant sur les plans sécuritaires, diplomatiques, politiques que socio-économiques, bien que des défis soient encore importants. Le Premier ministre a attiré l'attention de membres du gouvernement sur un point important que le président de la République a mis en exergue durant son adresse à la nation et qui a toujours été sa lutte dans les échanges qu'il a avec chacun des membres du gouvernement, à savoir des actions à impact visible et social que la population attend avec impatience. Il a exhorté les membres du gouvernement à travailler davantage et à obtenir des résultats, chacun dans son domaine respectif. Il a conclu son propos en paraphrasant le président de la République. L'année 2022 doit véritablement être l'année du social pour le peuple. Le président de la République l'a ainsi rappelé avec pertinence. Les peuples est insatisfaits, que cette interpellation soit notre leitmotiv. Le deuxième point de la communication du Premier ministre et chef du gouvernement a porté sur la fin de la 13e épidémie à virus Ebola à Beni, dans le Nord Kivu. Le Premier ministre a salué la fin en République démocratique du Congo, le jeudi 16 décembre 2021 dernier, de la 13e épidémie d'Ebola qui s'était déclarée au mois d'octobre dernier dans le Nord Kivu, principalement dans la zone de santé de Beni. Il a indiqué que cette énième victoire contre cette maladie, dans un temps relativement court, démontre à suffisance que nos équipes sanitaires continuent à faire preuve de leur expérience et de leur abnégation, en dépit des conditions de travail difficiles. Au nom du gouvernement de la République, le Premier ministre a félicité et encouragé tous les professionnels de santé qui se sont engagés dans cette riposte. Le troisième point de la communication du Premier ministre chef du gouvernement a porté sur la recrudescence de cas de Covid. Face au nombre croissant de nouvelles contaminations au coronavirus, avec son nouveau variant Omicron, particulièrement à Kinshasa, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de rappeler l'exigence du respect strict des gestes barrières et des mesures complémentaires prises pour lutter contre cette maladie. Il a encouragé les membres du gouvernement à prendre des dispositions pour sensibiliser la population à la vaccination et à limiter les contacts, notamment dans leurs audiences et dans leurs activités respectives. Le point 4 de la communication du Premier ministre a porté sur l'inscription de la rumba au patrimoine immatériel de l'humanité. Le Premier ministre et chef du gouvernement a exprimé la satisfaction du gouvernement du fait que la rumba congolaise ait été inscrite par l'UNESCO le mardi 14 décembre dernier au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est une grande fierté pour notre pays et pour sa culture, qui doit désormais être pensée comme un des leviers importants concourant à notre développement. Le Premier ministre a félicité les artistes musiciens congolais, dont les œuvres, au-delà de l'aspect d'agrémentation, participent au rayonnement de notre culture. Et c'est ce qui a conduit à cette consécration de la rumba congolaise. Cette inscription au patrimoine culturel immatériel de l'humanité met en scène le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, qui a désormais l'obligation de travailler pour profiter de ces nouveaux élans et montrer que la République démocratique du Congo est véritablement le berceau de la rumba. Le cinquième point de la communication du Premier ministre rapporté sur la tenue de la 12e session de la Grande Commission mixte en République démocratique du Congo, République du Congo. Le Premier ministre a informé le membre du gouvernement de la tenue en cours à Brazzaville depuis le 16 décembre et ce jusqu'au lundi 20 décembre prochain de la 12e session de la Grande Commission mixte République démocratique du Congo, République du Congo. Il a encouragé
les ministres de l'intégration régionale ainsi que les ministres sectoriels concernés par l'une ou l'autre question traitée au cours de cette session à prendre toutes les diligences afin que notre pays préserve ses acquis et consolide ses rapports avec ses pays voisins. Les derniers points de la communication du Premier ministre apportés sur la conclusion de la mission des revues du Fonds monétaire international. Le chef du gouvernement a salué la note concluante et satisfaisante attribuée à la République démocratique du Congo par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international à la suite de la première revue au titre de l'accord de facilité élargie de crédit. Cela permet les décaissements immédiats de près de 213 millions de dollars américains en faveur de projets de développement en République démocratique du Congo. Considérant ces résultats positifs à l'actif du gouvernement, le Premier ministre a tenu à encourager et à féliciter toute son équipe pour cet effort commun. Il a insisté pour que les efforts continuent à être faits, car ces programmes triennaux permettra à son terme à notre pays de bénéficier d'un décaissement global de 1,5 milliard de dollars américains. Abordant le deuxième chapitre du Conseil de ministres des séjours relatif aux points d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a fait le point sur l'état du territoire national, qui demeure généralement calme en dépit des cas d'insécurité enregistrés dans la partie est du pays où se poursuivent les opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. L'état d'esprit de la population a été marqué ces derniers jours par des réactions et commentaires sur le message du président de la République à la Nation le 13 décembre dernier, par deux commentaires consécutifs à la confirmation de la quatrième vague de la Covid-19 avec la présence du variant Omicron en République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a aussi informé le Conseil des remous constatés entre les partisans du gouverneur démissionnaire de la province du Nord Ubangi Agbadolité et les opposants à son retour en vue de continuer l'expédition des affaires courantes après avoir remis sa démission au président de la République. Dans ces mêmes chapitres, il a fait mention des crises dans les provinces du Sud Kivu et du Sankuru qui l'ont obligé à appeler en consultation à Kinshasa les animateurs des institutions provinciales concernées. Il a terminé son propos en annonçant la tenue du 22 au 23 décembre prochain à Kinshasa de la conférence de gouverneurs. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait le point au Conseil de la situation dans les trois zones de défense. Il a indiqué que la troisième zone de défense concernée par l'état de siège a fait l'objet d'une évaluation exhaustive par la grande mission qu'il a conduite sur place. Dans cette mission, il était accompagné de 9 parlementaires, députés et sénateurs, 13 officiers généraux, des conseillers des ministères de la Justice et des conseillers du ministère de l'Intérieur. Toutes les questions liées à l'état de siège ont été abordées. Il en fera rapport détaillé dans le prochain Conseil de ministres. En marge de cette activité et durant son séjour, cette fois-ci en Ituri, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a rencontré son homologue de l'Ouganda. Quant aux opérations concertées et ciblées entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les forces de défense du peuple ougandais UPDF, le ministre de la Défense a indiqué que les deux forces engagées ont lancé des travaux de réhabilitation sur les axes Mbau, Kamango, Nobili, Kamango, Semuliki, Beni pour faciliter et sécuriser les mouvements des militaires et des déplacements de population. Dans le cadre des actions civilo-militaires, les deux armées ont lancé une vaste campagne de sensibilisation et ont installé des centres médicaux à Mukakati et à Kakibombo. Il a conclu son propos en précisant que dans tous les secteurs opérationnels, l'alerte de nos unités reste maintenue. Les opérations des traques se poursuivent sur tous les axes contre l'activisme de groupes armés, l'objectif étant de ramener la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Toujours sur ces chapitres de points d'information,
le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a informé le Conseil de la situation globale de la pandémie à Covid-19. Il a confirmé la survenue déclarée le 13 décembre dernier de la quatrième vague et la notification de la circulation du variant Omicron. Ces derniers, très contagieux, mais dont la dangerosité demeure faible par rapport à la souche Delta, ce qui explique des statistiques énormes de contamination, mais de faibles cas d'hospitalisation. 200 lits de l'hôpital du Cinquantenaire ont ainsi été réquisitionnés par le gouvernement pour renforcer à titre préventif la capacité d'accueil et des prises en charge dans l'hypothèse où des cas, des maladies, des contaminations nécessitent hospitalisation. Et face à la grippe saisonnière qui sévit, en même temps que la pandémie, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a recommandé à tous les compatriotes de se faire consulter, de faire un test Covid régulièrement, d'observer, de faire respecter les gestes barrières et surtout de se faire vacciner pour se prémunir de formes le plus graves. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 32e réunion tenue les 10 décembre 2021. Au chapitre 4 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et l'adoption de dossiers, un dossier concernant le rapport relatif à l'opérationnalisation du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat du Congo FOGEC. Le ministre d'État, ministre de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises, a présenté au Conseil les dossiers relatifs à l'opérationnalisation du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC, établissement créé par décret numéro 20/032 du 31 octobre 2020. Consécutivement à la communication du président de la République, faite lors de la 32e réunion du Conseil de ministres, le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat et Petites Moyennes Entreprises a évoqué quelques actions qui ont été menées pour conduire à bien cette initiative qui permet les financements de projets de jeunes, notamment la mise en place d'une task force composée de tous les acteurs, parmi lesquels la présidence de la République, la primature, les ministères de l'Environnement, de l'Entrepreneuriat et des PME, du Portefeuille, des Finances, des Mines, de la Banque Centrale du Congo, du FOGEC, l'Autorité des Régulations de la Sous-traitance du secteur privé, l'Agence Nationale de Développement de l'Entrepreneuriat au Congo ANADEC, la Commission PME de la Fédération des Entreprises du Congo, ainsi que l'Association Congolaise des Banques. Les ministres d'État, ministres des PME, a sollicité du gouvernement l'autorisation pour que les ministres en charge de l'environnement, des mines, des finances, de contresigner avec lui des arrêtés interministériels des déterminations des quotités du Fonds d'intervention pour l'environnement FIP, du Fonds minier pour les générations futures FOMINE, au titre de ressources du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FOGEC. Il a été complété à ses propos par la vice-ministre des Finances. Avec la mobilisation de toutes ces ressources du FOGEC dans les délais, sa participation à l'actionnariat de l'institut financier spécialisé sera pertinente, car à terme, l'objectif visé par le ministère est de s'inspirer du modèle du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises PADEM-PME, qui, à la suite de deux concours de plans d'affaires, venait d'octroyer de subventions directes à plus de 430 PME établies en raison de 75 000 dollars par PME et à 960 jeunes entrepreneurs ayant bénéficié chacun d'un montant compris entre 17 000 dollars et 22 000 dollars. Par ailleurs, près de 1 500 femmes entrepreneurs bénéficieront sous peu du même accompagnement du programme PADEM-PDME. Après débat et délibération, le Conseil de ministres a adopté ces dossiers. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des textes. Un texte, projet de décret. La vice-ministre des Finances a soumis au Conseil le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement du Comité national de pilotage de la stratégie des réformes des entreprises publiques, des finances publiques. Placé sous l'autorité du Premier ministre,
Ces comités veillent à la mise en œuvre harmonieuse du programme des réformes de finances publiques au niveau provincial et national. Il en assure la supervision et le suivi. Elle a indiqué que le présent projet de décret fixe le cadre institutionnel pour la gouvernance de la réforme de finances publiques, lesquels comprend quatre organes, à savoir le comité gouvernemental, le secrétariat technique permanent, le comité provinciaux et locaux, les sous-comités techniques et travail. Pour le gouvernement, l'enjeu consiste à renforcer la coordination de la mise en œuvre de la réforme de finances publiques congolaise. Après débat et délibération, le Conseil des ministres a adopté ces projets de décret. Commencé à 11h45, la réunion du Conseil a pris fin à 14h24. Je vous remercie.